Holmes. Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune couple qui désirait plus que tout avoir une petite fille. Le temps passa et finalement la jeune femme tomba enceinte. Affaiblie par sa grossesse, elle contemplait par les fenêtres les belles réponses de sa voisine. Elles étaient si luisantes, si fraîches et si appétissantes qu'elle rêvait d'en manger. Son mari, voulant la rendre heureuse, s'introduisit dans le jardin. Il ne savait pas que la maison voisine appartenait à une sorcière. Il cueillit les réponses et les offrit à sa femme, qui les mangea goulûment. Mais la sorcière s'en rendit compte et déclara au jeune couple « Quelle audace de venir s'introduire dans mon jardin comme un voleur et de me prendre mes précieuses réponses. Je ne vous le pardonnerai jamais. Quand votre précieux bébé sera né, à mon tour je viendrai chez vous et je vous l'enlèverai !» À la naissance de la petite fille, la sorcière mit son plan à exécution et prit le bébé, qu'elle nomma Réponse. Elle l'éleva comme sa fille et prit grand soin d'elle. Les années passèrent et à 16 ans, Réponse devint très belle. Elle avait de longs cheveux blonds dorés, de très beaux yeux bleus et était d'une gentillesse infinie. La vieille sorcière, de crainte qu'on l'enlevât, décida de l'enfermer en haut d'une tour perdue dans la forêt. Sans escalier, aucune personne ne pouvait y monter, sauf la sorcière. Elle appelait « Réponse ! Réponse ! Descends-moi tes cheveux !» Alors Réponse laissait tomber sa natte et la sorcière grimpait. Un jour, la jeune fille crut entendre la voix de la sorcière. Elle descendit ses cheveux, comme à son habitude. Mais ce fut un prince qui monta. Elle prit peur. Qui êtes-vous ? Ne vous approchez pas ! Ne vous approchez pas ! Le prince la rassura en lui parlant gentiment. Et ils tombèrent amoureux. Le jeune homme passa la voir tous les jours, sans que la sorcière ne s'en aperçoive. Un jour, il lui demanda. Réponse, ma belle Réponse. Je vous aime. Voulez-vous m'épouser et descendre de cette tour avec moi ? Oh oui, je le veux. Elle en parla aussitôt à la sorcière, croyant que celle-ci serait heureuse pour elle. Mais ce fut tout l'inverse. Elle devint folle de rage. Mais comment ? Comment as-tu osé me trahir ? Moi qui t'ai élevée comme ma fille ! Tu vas me le payer ! Elle coupa les cheveux de Réponse et l'envoya seule dans un désert lointain. Elle tendit ensuite un piège au prince. Après avoir récupéré les cheveux de Réponse, elle le laissa monter en haut de la tour, puis le poussa par la fenêtre. Le prince perdit l'équilibre et tomba sur des épines qui lui crevèrent les yeux. « Jamais, tu m'entends, jamais tu ne reverras ta bien-aimée !» Le prince, déchiré de douleur, erra dans la forêt, aveugle, à la recherche de réponses. Par un heureux hasard, son chemin croisa celui de Tuni, le petit lapin jaune, qui l'emmena dans le désert où Réponse vivait misérablement. Un miracle se produisit alors. Le jeune homme reconnut la voix de Réponse qui chantait au loin. Il s'avança vers elle. La jeune fille s'agrippa à son cou en pleurant. Ses larmes de joie touchèrent alors les yeux du prince et il retrouva complètement la vue. Il ramena sa bien-aimée dans son royaume et un grand mariage fut organisé. Réponse retrouva finalement ses parents et donna à son tour naissance à des petits jumeaux aussi blonds qu'elle.
Il était une fois, dans un pays lointain, un gentilhomme qui, étant devenu veuf, se maria avec une femme égoïste et méchante. Elle avait deux filles, aussi cruelles qu'elle. De son côté, le gentilhomme avait une fille douce et d'une bonté sans exemple. Sitôt mariée, la belle-mère fit éclater sa vraie nature. Elle chargea la jeune fille des tâches les plus ingrates. La pauvre enfant travaillait toute la journée sans répit. Elle n'arrêtait que le soir, quand tout le monde était endormi. Avant de rejoindre le grenier glacé où elle était logée, la pauvre enfant venait se réchauffer un moment au coin de la cheminée. À cause de cela, sa robe était toujours couverte de cendres. Si bien que ses sœurs, pour se moquer d'elle, la nommèrent Cendrillon. Un jour, le fils du roi donna un bal et pria toutes les jeunes filles de bonne famille de s'y rendre. Les deux vilaines sœurs furent transportées de joie. Le prince organise un bal. Oh, je dois être la plus belle. Cendrillon. 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 Lave et repasse vite toutes mes robes de soirée et tous mes rubans. Mais dépêche-toi donc. Est-ce que moi aussi je pourrais venir avec vous au bal? Cendrillon au bal. On verrait bien si on te voyait avec ta robe pleine de cendres et ton balai. Allez, viens, viens vite me coiffer. N'importe quelle autre fille les aurait coiffées de travers, mais pas Cendrillon. Elle était bonne, elle aida ses sœurs du mieux qu'elle le put. Le soir du bal arriva. Les sœurs partirent au bal et Cendrillon resta toute seule, près de la cheminée. Elle était si triste. Elle pleurait. C'est alors qu'apparut une fée, la marraine de Cendrillon. Elle sentit aussitôt la peine de sa filleule. Bonjour ma chérie, pourquoi pleures-tu autant? Tu voudrais aller au bal toi aussi? Oh oui, j'aimerais tellement. Mais c'est impossible. Tu es une belle personne, Cendrillon. J'ai vu que tu t'étais bien occupée de tes sœurs. Allez, viens, suis-moi dans le jardin. Il faut qu'on trouve une bonne grosse citrouille. Une citrouille? Mais pourquoi faire, ma reine? En un coup de baguette magique, la fée transforma la citrouille en un magnifique carrosse. Elle trouva aussi des petites souris et les transforma en chevaux. Puis elle demanda à Tounis qui passait par là. « Veux-tu être le cocher de Cendrillon, petit Tounis ?» Tounis était tout content de remplir ce rôle. Puis la fée se tourna vers Cendrillon. En deux secondes, la jeune fille se retrouva habillée d'une ravissante robe de bal et chaussée de magnifiques pantoufles de verre. « Oh merci, merci beaucoup ma reine !»« N'oublie pas Cendrillon, au 12e coup de minuit, ma magie disparaîtra. Tu dois absolument être rentrée avant !» Lorsque Cendrillon arriva au bal, elle fit grande impression. Personne ne la reconnut, pas même ses horribles sœurs. Tout le monde la regarda avec admiration. Elle était si belle, si élégante. Le prince lui-même sembla subjugué. Il l'invita aussitôt à danser et ne la quitta plus de la soirée. Cendrillon était si heureuse qu'elle oublia complètement l'heure. En entendant le premier coup de minuit, elle se précipita dehors. Le prince essaya de la suivre, mais il ne réussit pas à l'attraper. Il ne restait alors que la pantoufle de verre que Cendrillon avait laissée tomber dans la précipitation. Cendrillon rentra chez elle, sans carrosse, sans laquais, avec ses vilains habits, mais heureuse comme jamais. Le lendemain, le prince fit un communiqué officiel. Il déclara qu'il souhaitait épouser la jeune fille qui arriverait à mettre la pantoufle de verre. Un messager du prince parcourut
tout le pays à la recherche d'une jeune fille qui arriverait à enfiler ses chaussures. Mais le pied de Cendrillon était si petit que personne n'y arrivait. Il se présenta devant les deux jeunes filles. Elles firent tout leur possible pour faire rentrer la chaussure dans leurs pieds. « Et moi, puis-je essayer ?» Le messager approcha alors la chaussure de Cendrillon. Elle lui allait parfaitement. « C'est pas possible !» L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais encore plus grand quand Cendrillon tira de sa poche l'autre pantoufle. On conduisit alors Cendrillon au prince, qui la reconnut aussitôt malgré ses vilains habits. Quelques jours plus tard, un grand mariage fut organisé. Cendrillon était très bonne et elle pardonna à ses sœurs. Elle les logea même au palais. Et c'est ainsi que Cendrillon vécut heureuse auprès de son prince charmant. Bonjour les amis, c'est moi. Je m'appelle Mélie. J'ai mis une jolie robe et je veux devenir une vraie princesse. Mais comment faire ? Nous sommes les petites princesses du monde. Nous sommes gentilles, n'en doute pas une seconde. Si tu veux devenir comme nous, écoute nos conseils et rejoins-nous. Je n'ai pas envie de dire bonjour, ni s'il te plaît, ni merci. Ça ne sert à rien. Si tu veux devenir une vraie princesse, tu devrais apprendre la politesse. Bonjour. Une princesse doit être aimable et polie. Tu vois? Il ne suffit pas d'être jolie. Nous sommes les petites princesses du monde. Nous sommes gentilles, n'en doute pas une seconde. Si tu veux devenir comme nous, écoute nos conseils et rejoins-nous. Non, 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 non. Ce sont mes jouets. Je ne veux pas les prêter. Et surtout pas à toi. Une vraie princesse prête ses jouets. C'est ça, être une tête couronnée. Mais tu verras, c'est plus rigolo comme Youpi ça. Plus tu partageras et plus tu t'amuseras. Nous sommes les petites princesses du monde. Nous sommes gentilles, n'en doute pas une seconde. Si tu veux devenir comme nous, écoute nos conseils et rejoins-nous. Maman, je n'aime pas ce que tu as fait à manger. Ce n'est pas bon. Je veux des bonbons et du chocolat. Une vraie princesse n'est pas capricieuse. Elle goûte à tout et ça la rend heureuse. Manger trop de chocolat et plein de bonbons, ça rend malade et ce n'est pas très bon. Nous sommes les petites princesses du monde. Nous sommes gentilles, n'en doute pas une seconde. Si tu veux devenir comme nous, écoute nos conseils et rejoins-nous. Mon petit frère a eu un plus gros cadeau que moi. Je veux le même. Une vraie princesse n'est pas du tout envieuse. Satisfaite de ce qu'elle a, elle est heureuse. La jalousie ne fait pas partie de ses valeurs. Content pour les autres, elle a du cœur. Merci aux petites princesses du monde. Je suis devenue gentille, n'en doute pas une seconde. Je suis maintenant polie et sage comme vous. Toi aussi fais comme moi et rejoins-nous. La Belle et la Bête. Il était une fois, dans un pays lointain, un riche marchand qui avait trois filles. Les deux aînées étaient capricieuses et égoïstes. La plus jeune avait bon cœur et elle était si jolie que tout le monde la surnommait Belle. Un matin, le marchand annonça qu'il s'en allait pour un long
long voyage. Que puis-je vous rapporter, mes filles, pour vous faire plaisir? Des robes et des bijoux, papa. Moi, je voudrais seulement que vous reveniez. Allons, Belle, laisse-moi te ramener un présent. Très bien. Si vous insistez, je voudrais une jolie rose. Sur le chemin du retour, le marchand se perdit dans la forêt. Frigorifié, il fut heureux de trouver un château qui semblait abandonné. Il entra. Il y a quelqu'un ? Personne ne répondit. Sur la table, un somptueux dîner était servi. Le marchand, affamé, s'attabla. Dina, puis épuisé, décida d'aller se coucher. Le lendemain matin, en quittant le château, il remarqua des roses dans le jardin et décida d'en cueillir une pour sa fille. C'est alors qu'une horrible bête apparut devant lui. Comment oses-tu me voler, moi qui t'ai offert mon hospitalité? Est-ce ainsi que tu me remercies? Pitié, monseigneur, je suis désolé. Ce n'est qu'une petite rose pour l'une de mes filles. Fort bien. J'épargnerai donc ta vie à la condition que l'une de tes filles vienne vivre ici avec moi. Le cœur brisé, le père rentra chez lui et expliqua la situation à ses filles. Belle accepta aussitôt de se rendre au château. Quand elle y arriva, Belle découvrit qu'un délicieux repas avait été préparé à son intention. Alors qu'elle commençait à peine à manger, la bête apparut. Belle faillit s'évanouir de frayeur. Mais la bête lui souhaita seulement bonne nuit et s'en alla. Belle chercha alors dans le château un endroit où dormir. Elle arriva devant une porte couverte de roses. Elle entra et s'aperçut que la pièce avait été aménagée pour elle. Elle se dit alors, « Si la bête voulait me tuer, elle n'aurait pas fait tout ça. » Durant les mois qui suivirent, la belle et la bête apprirent à se connaître et à s'apprécier. La bête n'était pas méchante. Un soir, la bête demanda à Belle si elle voulait l'épouser. Belle refusa. La bête, le cœur brisé, décida de lui rendre sa liberté. « Vous pouvez rentrer chez vous. Vous n'êtes plus ma prisonnière. Tenez, voici une bague. Si vous voulez me revoir, il vous suffira de la mettre à votre doigt et elle vous conduira jusqu'à moi. » Belle rentra chez elle, très heureuse de retrouver sa famille, mais le cœur lourd. Elle s'occupa de son père malade et ne pensa plus à la bête pendant plusieurs jours. Une nuit, elle fit un horrible cauchemar. Elle rêva que la bête était morte de chagrin dans son grand château. Prise de panique, elle mit la bague et se retrouva, comme par magie, au palais. Elle chercha la bête partout et finit par la trouver, gisant sur le sol, exactement comme dans son rêve. « Je ne pensais plus jamais te revoir et je me suis laissé mourir. » « Mais non, tu dois vivre. Je t'aime et je veux t'épouser. » À peine eut-elle prononcé ces mots qu'une chose extraordinaire arriva. Le château se métamorphosa et la bête devint le plus beau des princes. « Oh Belle, en acceptant de m'épouser, tu as brisé le sortilège qu'une méchante sorcière m'avait jadis lancé. » Belle avait brisé le sort car elle avait compris que la véritable beauté vient du cœur. Un grand mariage fut célébré au château avec tous les amis et la famille de Belle. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. La Reine des Neiges. Il était une fois, dans un pays lointain, deux jeunes amis qui vivaient dans les maisons voisines. La fille s'appelait Gerda et le garçon Kay. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient comme tels. Ils passaient leur journée à jouer ensemble dans le jardin. L'hiver arriva.
et cette année-là, il fut particulièrement froid. Les vitres étaient couvertes de givre. La neige et le gel avaient envahi tout le village. Les enfants se réfugièrent chez la grand-mère de Gerda, qui leur raconta des histoires. « Grand-mère, d'où vient ce grand vent frais qui nous empêche de sortir dehors ?»« C'est la reine des neiges qui nous l'envoie. »« La reine des neiges ? Mais qui est-ce, grand-mère ?»« C'est une jeune femme qui vit dans un pays fort lointain, où la neige est éternelle. » Elle habite seule, dans un grand palais. Elle est d'une incroyable beauté. Mais son cœur est aujourd'hui aussi froid que de la glace. Quand la reine des neiges est contrariée, elle déverse sa colère sur nous et envoie du gel et de la neige. La reine des neiges, elle n'a qu'à venir, je n'ai pas peur d'elle. Je la mettrai sur un poêle brûlant, elle fondra aussitôt et nous retrouverons le soleil. Ne rigole pas avec ça, malheureux. La reine des neiges pourrait t'entendre et sa colère serait terrible. La grand-mère avait raison de s'inquiéter. Du haut de son château, la reine des neiges espionnait Gerda et Kay grâce à un miroir magique. Ah, tu te moques de moi. Très bien, tu vas voir ce qui t'attend. Très en colère, elle jeta un sort. Une énorme tempête de neige et de glace s'abattit sur le village des enfants. Kay reçut un éclat de glace dans les yeux et un autre dans le cœur. À cet instant, il se transforma complètement et devint l'enfant le plus méchant de la terre. Kay, que se passe-t-il? Où vas-tu? Je ne te reconnais plus. Mais pourquoi tu ne me parles plus depuis des jours? Que tu es laide quand tu pleures. Lâche-moi. Je vais faire du traîneau tout seul. Kay partit dans la forêt. C'est alors qu'il aperçut un grand traîneau blanc orné d'étoiles d'argent qui scintillaient. Une grande dame s'y était assise. C'était la reine des neiges. Kay, fascinée par sa beauté, s'approcha. Elle déposa un baiser sur son front. Et à ce moment précis, il perdit complètement la mémoire et s'endormit. Ton cœur est maintenant froid comme le mien. Ta place est avec moi, dans mon palais. Gerda attendit le retour de son ami, mais il avait disparu et personne ne semblait savoir où il se trouvait. Elle partit à sa recherche. Elle se dirigea vers le fleuve, monta dans une barque et se laissa emporter par le courant. Elle arriva dans une jolie maisonnette où une dame, un peu sorcière, l'accueillit. Gerda lui raconta son histoire. À mon avis, c'est la reine des neiges qui a emmené ton ami. Oh, aidez-moi, madame, je vous en supplie. Je suis si malheureuse sans lui. La sorcière lui coiffa alors ses cheveux avec un peigne magique qui lui fit perdre la mémoire. Voilà, mon enfant. Ainsi, tu ne te rappelleras plus de rien et tu n'auras plus jamais de peine. Mais l'amour que Gerda avait pour Kay était si fort que la jeune fille se rappela rapidement de lui. Et à l'insu de la sorcière, elle s'enfuit. Sa route croisa alors celle du petit ours. Il connaissait la reine des neiges et conduisit Gerda à travers champs, bois et marais jusqu'au palais. La fillette le remercia et entra dans le château vide et glacial. Au centre se tenait la reine des neiges. Que viens-tu faire dans ma demeure ? Je viens récupérer mon ami Kay. Il a perdu la mémoire et son cœur est maintenant de glace. Sa place est avec moi. Mais si j'arrive à dégeler son cœur, me laisserez-vous partir avec lui? C'est totalement impossible. La jeune fille se jeta alors sur le garçon. Kay, c'est moi, c'est Gerda, tu te rappelles? Je t'en prie, réponds-moi. Des larmes de joie coulèrent sur le cœur du jeune homme. Des larmes chaudes, passionnés et remplis d'amour qui réchauffèrent son cœur. Un miracle se produisit
et le jeune homme revint à lui. Oh, Gerda, comme je t'aime! Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Comment ai-je pu t'oublier aussi longtemps? Ému par les jeunes gens, le cœur de la Reine des Neiges sembla se réchauffer. Je ne peux pas lutter face à un si grand amour. J'avais une famille avant, comme vous. On s'aimait très fort. Je crois qu'il est temps pour moi d'arrêter de m'isoler dans ce château et d'aller les retrouver. Bon voyage, les enfants. Ma magie vous aidera à rentrer. Ils partirent alors le cœur léger. Ils n'avaient jamais été aussi heureux de se retrouver tous les deux. Un vent doux conduisit la barque jusqu'au village. La neige fondait, les premières hirondelles voltigeaient dans le ciel et on pouvait même apercevoir quelques fleurs. Kay, regarde, c'est le retour du printemps. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la princesse Méline. Dans un pays lointain, vit un prince. Il est très amoureux de la princesse d'un village voisin nommé Méline. Elle est si belle et si gentille qu'il rêve de l'épouser. Mais le père de celle-ci refuse catégoriquement la demande du prince. Il veut que sa fille épouse un homme plus riche. Mais la princesse ne veut pas et elle le fait savoir à son père. « Je ne veux que lui. Et je n'en épouserai aucun autre. » Le roi se fâche alors et décide de construire une grande tour sans fenêtres et sans portes. Il dit à sa fille. « Tu resteras enfermée là jusqu'à ce que tu changes d'avis et que tu acceptes d'épouser un prince plus riche que je t'aurais choisi. » On enferme Méline avec sa femme de chambre dans la grande tour et on lui donne de la nourriture et de l'eau pour tenir des années. Le prince part à la recherche de Méline et crie son nom. Mais il ne sait pas qu'elle est enfermée dans la grande tour. Il passe devant mais ne se rend compte de rien et finit par la croire morte. Le temps passe. Les réserves en nourriture commencent à s'épuiser. Méline prend alors une décision. Plus personne ne viendra nous sauver. Il faut sortir. Allez, viens, aide-moi. Elle prend le couteau à pain et commence à gratter. Rien ne bouge. La femme de chambre essaie à son tour. Allez, courage, vous allez y arriver. Un premier petit bout de pierre tombe enfin, ce qui leur redonne de la force. Avec beaucoup de patience, elle voit enfin les premiers rayons de soleil. Comme ça fait du bien! C'est alors que Méline aperçoit le château de son père. Le château a certainement pris feu. Tout est en ruine et semble abandonné. Il n'y a plus personne ici. Il faut partir, mais pour aller où? Elle marche en direction du village voisin à la recherche de son prince. Mais il n'y a plus personne ici non plus. Affamée, elle finit par manger des orties sur le bord de la route. Ce n'est que bien plus tard, dans un village voisin, qu'elle rencontre un cuisinier qui lui propose de travailler pour lui au palais. Mais vous savez, le monde est petit. Figurez-vous que c'est dans ce château que s'est installé le prince et son père. Le roi a choisi une femme à son fils, une princesse laide et très méchante. La fiancée, quant à elle, est déjà au palais. Mais consciente de sa laideur, elle reste enfermée dans sa chambre et ne se montre pas. Méline lui apporte le repas tous les jours. C'est alors qu'une idée vient à la méchante princesse, qui propose à Méline. « C'est ton jour de chance.
Je me suis tordu le pied et je ne peux pas bien marcher. Tu mettras ma robe et tu me remplaceras lors du mariage. Si tu n'obéis pas, tu le paieras de ta vie. Méline est tellement heureuse de revoir son prince qu'elle accepte aussitôt. Elle met la très belle robe de mariée, un voile et se maquille pour ne pas qu'on la reconnaisse. Elle rentre ensuite dans la salle du trône. Tout le monde ne voit qu'elle. Elle est si belle, si élégante, si gracieuse. Elle ressemble tellement à ma Méline. Si on ne m'avait pas dit qu'elle était morte, je croirais que c'est elle qui se tient devant moi. Le prince accepte de l'épouser et la conduit à l'église. En chemin, Méline croise des orties et leur dit « Oh, merci petite ortie de m'avoir nourrie quand j'en avais tant besoin. Tu n'as pas vraiment bon goût, mais tu m'as sauvé la vie et je t'en serai éternellement reconnaissante. » À qui parles-tu ? À personne. Enfin, aux orties, mais c'est une longue histoire. Tu connais la princesse Méline ? Tu as la même voix qu'elle. Non, je la connais pas. Je suis désolée. Je ne la connais pas. Le prince sort aussitôt un très beau collier de sa poche et le met autour du cou de Méline. Puis ils arrivent à l'église et se marient. De retour au palais, Méline enlève la jolie robe de mariée. Mais elle garde le collier, en souvenir de cette superbe journée avec le prince. Les heures passent, et on conduit la méchante princesse dans la chambre du prince. Elle cache son visage sous son voile, pour que le prince n'apprenne pas la supercherie. Le prince dit alors « Qu'as-tu dit aux orties près de la route ?»« À quelle ortie ?» Je parle pas aux orties, moi. Si tu ne leur as pas parlé, alors tu n'es pas la vraie mariée. Attends. Elle sort de la chambre et court voir Méline. Servante, qu'as-tu dit aux orties près de la route? Je les ai remerciées de m'avoir nourrie quand j'en avais besoin. Je leur ai dit que je serais éternellement reconnaissante pour leur aide précieuse. Oh, cela te coûtera la vie. Elle retourne alors près du prince. Elle répète bêtement ce que lui a dit Méline. Et où est le collier que je t'ai donné devant la porte de l'église? Le collier, tu m'as pas donné de collier, hein? Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie mariée. Il lui arrache son voile et s'aperçoit que ce n'est pas la même princesse que celle qu'il a épousée. Comment es-tu arrivée là? Et qui es-tu? Je suis ta fiancée promise. Mais j'avais peur que les gens se moquent de moi. C'est pourquoi j'ai ordonné à la petite Souillon de mettre ma robe et d'aller à l'église à ma place. Où est cette fille? Où est cette fille? Je veux la voir. Va la chercher. La méchante, folle de rage, sort de la chambre et dit à ses serviteurs de se débarrasser de sa femme de chambre et de l'enfermer tout de suite dans un cachot. Méline crie « Prince, venez m'aider, je vous en prie, je ne veux plus être séparée de vous. Prince !» Le prince arrive alors en courant et sauve Méline. Débarrassé de tout son maquillage et de son voile, le prince reconnaît enfin Méline. Tu es la vraie mariée, tu portes le collier que je t'ai offert. Mais tu es aussi Méline, la princesse que j'ai tant aimée. Dis-moi la vérité, je t'en prie. Oui, c'est vrai, je suis Méline, celle qui par amour pour toi a été emprisonnée dans une tour obscure. Mais aujourd'hui je t'ai enfin retrouvée et mon rêve s'est réalisé. Je suis maintenant la plus heureuse des femmes. Le prince l'embrasse et ils se promettent de ne plus jamais se séparer. Thank you.
des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois. Réponse. Aux cheveux dorés. Il était une fois. Cendrillon. Et ses souris bien aimés. Il était une fois. Boucle d'or. Et les trois ours. Il était une fois. Hansel. Et Gretel dans la forêt. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois les trois petits cochons. Il était une fois le petit chaperon rouge. Il était une fois le vilain petit canard. Il était une fois et le coquin chapeauté. Et dans chaque conte de fées, il y a la petite fée. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Il était une fois des princes, des rois, des créatures de l'aventure. Il était une fois des truands, des méchants, des diablesses et des princesses. Chiffre. Le 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien, le 2 est très heureux. Et après le 2, il y a quel chiffre? Le 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien, le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. D'accord, d'accord. Et après le 3, il y a quel chiffre? Le 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien, le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Ah oui, et qu'est-ce qu'il vient après le 4? Le 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien, le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Le 5 compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après? Le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien, le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Le 5 compte jusqu'à 5. Le 6 aime les saucisses. Et ensuite, quel chiffre il y a après le 6? Le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien, le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Le 5 compte jusqu'à 5. Le 6 aime les saucisses. Le 7 a des chaussettes. Qu'est-ce qu'il y a après le 7? Celui-là, je le connais. Le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 1 se porte très bien, le 2 est très heureux. Le 3 est un grand roi. Le 4 n'aime pas se battre. Le 5 compte jusqu'à 5. Le 6 aime les saucisses. Le 7 a des chaussettes. Le 8 aime les frites. Et après le 8 vient le... Le 9.
5 compte jusqu'à 5. Le 6 aime les saucisses. Le 7 a des chaussettes. Le 8 aime les frites. Le 9 a des gants neufs. Bravo à tous! Allez, on recommence? Et cette fois, on va de plus en plus vite! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais on n'en a pas oublié un? Mais oui, le 10. Après le 9, vient le 10. Des chaussettes, des tomates, mes baskets, les poivrons, un poisson, mon beau cahier de brouillon. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs, chantons, chantons les encœurs. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs, chantons, chantons tous le jaune. Le soleil, le canton, la banane, le citron, mes ciseaux, mon chapeau et mon nouveau vélo. Je les connais tout par cœur. Les couleurs chantons, chantons les encœurs. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs chantons, chantons tous le rose. Le cochon, les bonbons, la cravate de tampon, les petites fleurs, un gros cœur. Et le doudou de ma petite sœur. Les couleurs, je les connais toutes par cœur. Les couleurs, chantons, chantons tous le bleu. Le ciel et la mer, les chaussures de grand-mère, les requins, les dauphins et l'eau de mon petit bain. Plouf! Les couleurs, je les connais toutes par cœur.
yeux, le chocolat, le pantalon de papa, le tronc, les champignons et le petit chaton dans le carton. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs, chantons, chantons les en cœur. Les couleurs, je les connais tout par cœur. Les couleurs, chantons, chantons les en cœur. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Quand tu arrives, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Quand tu repars, s'il te plaît, pour demander. Merci, 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 merci. C'est ça, être poli. Il existe des mots magiques. C'est trop souvent qu'on les oublie. Apprends-les en musique. Tout le monde aime les enfants polis. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Quand tu arrives, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Quand tu repars, s'il te plaît, pour demander. Merci, 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 merci. C'est ça, être poli. Un bonjour et un sourire, un petit geste ou une petite bise. L'important, c'est d'être gentil. Tout le monde aime les enfants polis. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Quand tu arrives, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Quand tu repars, s'il te plaît, pour demander. Merci, 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 merci. C'est ça, être poli. Ce n'est pas très compliqué. Quatre mots magiques. Et c'est gagné. Apprenons-les et chantons-les. Bonjour, au revoir, merci et s'il te plaît. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Quand tu arrives, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Quand tu repars, s'il te plaît, pour demander. Merci, 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 merci. C'est ça, être poli. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Quand tu arrives, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Quand tu repars, s'il te plaît, pour demander. Merci, 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 merci. C'est ça, être poli. Mon amant me délaisse, ok, vive la rose. Mon amant me délaisse, ok, vive la rose. Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lilas. Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lilas. Il va t'en voir une autre, ok, vive la rose. Il va t'en voir une autre, ok, vive la rose. Bien plus riche que moi, vive la rose et le lilas. Bien plus riche que moi, vive la rose et le lilas. On dit qu'elle est fort belle, ok, vive la rose. On dit qu'elle est fort belle, ok, vive la rose. Belle que toi, vive la rose et le lilas. Bien plus belle que toi, vive la rose et le lilas. On dit qu'elle ne l'aime pas, ok, vive la rose. On dit qu'elle ne l'aime pas, ok, vive la rose. Peut-être qu'elle le quittera, vive la rose et le lilas. Peut-être qu'elle le quittera, vive la rose et le lilas. Si elle le quitte dimanche, ok, vive la rose. Si elle le quitte dimanche, ok, vive la rose. Lundi il reviendra, vive la rose et le lilas. Lundi il reviendra, vive la rose et le lilas. Mais ce sera trop tard, ok, vive la rose. Mais
ce sera trop tard. Au gué, vive la rose, car je n'en voudrais pas. Vive la rose et le lilas, car je n'en voudrais pas. Vive la rose et le lilas. Tourne, tourne, petit moulin, tape, tape, petite main. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, poisson dans l'eau. Petit moulin a bien tourné, petite main a bien tapé. Petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Tourne, tourne, petit moulin, tape, tape, petite main. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, poisson dans l'eau. Petit moulin a bien tourné, petite main a bien tapé. Petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Petit pouce, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Petit index, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Petit majeur, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Annulaire, annulaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Auriculaire, auriculaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Dans la forêt, il fait nuit. Les animaux sont endormis. Dans leur maison, les petits cochons partagent le même lit. Le petit chaperon rouge a fait des bisous à maman. Elle n'a plus peur du méchant loup.
et dors paisiblement. Ferme tes yeux, mon ange, prends ton envol, rejoins-moi. Un monde merveilleux t'attend, des rêves enchantés pour toi. Dans leur château, les petites princesses, dans leur grand lit, elles s'endorment. Elles rêvent aux princes charmants, habillés de beaux uniformes. Cette nuit, les titounis ne feront pas de cauchemars. Ils ont tous un petit doudou et n'ont plus peur du noir. Ferme tes yeux, mon ange, prends ton envol, rejoins-moi. Un monde merveilleux t'attend, des rêves enchantés pour toi. Les pirates dans leur navire voguent sur une mer calme. Ils dorment dans des couchettes pleines de rêves et de charmes. Justiciers, cow-boys et héros sont eux aussi au repos. Les méchants sont tous arrêtés et derrière eux les barreaux. Ferme tes yeux, mon ange, prends ton envol, rejoins-moi. Un monde merveilleux t'attend, des rêves enchantés pour toi. Il est l'heure de dormir. Ils sont tout petits.